déjà pensé de comment ton nourriture est traitée? Probablement ton nourriture a des pesticides là-dessus. Un agent de conservation qui est dangereux pour l'environnement et ta santé. Dans notre vidéo, on va vous parler des effets négatifs des pesticides dans l'agriculture. Les pesticides d'agriculture posent un danger sur l'environnement. Ils détruisent la balance naturelle dans les écosystèmes. Ça peut aussi damager les plantes et les animaux qui n'étaient pas ciblés. À cause de ça, les pesticides détruisent la chaîne alimentaire. En plus, les pesticides peuvent traverser facilement dans l'eau et dans le vent. Malheureusement, les pesticides d'agriculture ont des répercussions pour les humains. C'est difficile de savoir quand les pesticides vont avoir un effet négatif car la plupart du temps, on ne peut pas les voir. Chaque personne a une réaction un peu différente aux pesticides, mais ça peut inclure le cancer ou les mal à tête. Pour les mères enceintes, leur bébé a une chance plus haute d'avoir le autisme et le ADHD. Le gouvernement et les fermiers exploitent les pesticides d'agriculture pour plusieurs raisons. Le gouvernement n'a pas beaucoup de lois à propos des pesticides à cause de leur surpopulation. Les pesticides sont efficaces et nous permettent de produire plus de nourriture. Les fermiers utilisent les herbicides, insecticides, fungicides, etc. Quand ils ont tué tous les insectes et mauvaises herbes qui posent un danger aux récoltes, ils ont l'opportunité de faire plus d'argent. Il y a plusieurs alternatives aux pesticides. Les fermiers peuvent utiliser l'eau chaude pour tuer les mauvaises herbes au lieu des herbicides. Ils peuvent utiliser la nourriture décomposée pour aider à rendre les plantes plus fortes. Ils peuvent aussi utiliser le vinaigre au lieu des herbicides et des insecticides. Mais que peux-tu faire? Tu peux planter ton propre jardin. Tu peux encourager tes parents d'acheter la nourriture organique. Et tu peux parler de ce problème aux autres. C'est dangereux sur l'environnement qu'on doit arrêter de les utiliser.